Et salut salut tout le monde, ici Gustoil. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Don't Starve Shipwrecked. Alors, la dernière fois, eh bien, on était tout simplement revenu dans notre île. Et on avait tout simplement... On était tout simplement parti remettre toutes nos affaires. D'ailleurs, des affaires, j'en ai encore à remettre, donc... on va aller les chercher. Mais avant, j'aimerais bien juste faire un petit quelque chose. Qui s'appelle... Voilà, alors je sais pas combien il en faut encore, voyons voir. Il en faut deux, ok. Voilà, et normalement il en faut trois. Hop, encore. Alors voyons voir, non, il en fallait deux. Ok, alors ça, ça va être utile. Donc, comme je le disais, eh bien je vais rechercher les affaires dans mon... Je vais dire dans mon GSM, mais rien à voir. Donc dans mon bateau, il est où d'ailleurs? Ils sont tous au même endroit. C'est mon port d'attache là. Alors, donc ici. Alors je vais rechercher ceci et ceci. Voilà. Ce qui va m'être super utile. Alors, je sais pas si j'avais des graines, mais c'est pas grave. Alors, tiens, un truc de bizarre. Normalement, les crabes à cette période de l'année, ils reviennent dans leur trou. Là, il y en a un qui était sorti, ce qui est assez bizarre en effet. Donc, on va là. Alors, bon, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait plusieurs vidéos sur la même journée. Là, en fait, je suis à ma 5e vidéo sur la journée, ce qui est énorme. Et j'adore trop ce jeu pour pouvoir le quitter comme ça. Donc, je ne peux que continuer à jouer. En sachant que j'ai dû enlever des vidéos de mon ordi. Tout simplement parce que je n'avais plus de place. Mais quand je dis plus de place, c'est vraiment plus de place. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci. C'était des vidéos qui avaient déjà été envoyées sur, sur YouTube. Et que je savais que je pouvais enlever sans problème. Sachant que les vidéos que j'ai enlevées sont les vidéos brutes. Que je garde toujours une trace des vidéos que j'ai faites avant. Sauf si j'ai merdé. Ce qui peut arriver aussi. Alors... Ça je prends. Donc, autre chose à dire sur les vidéos. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais... Nous avons explosé notre record de la première saison de Don't Starve classique. Donc vraiment sans les DLC ni rien. Et en fait, nous sommes maintenant à plus de 17 vidéos. À l'heure où je vous parle, moi j'ai encore 9 vidéos en attente. 10 plus celle-ci, ce qui est énorme. Et je ne peux pas ne pas le continuer. Je ne peux pas. Cette vidéo, je veux... Ce jeu, je veux vous le montrer parce qu'il vaut vraiment la peine d'être vu. Clairement. Si vous avez le... Je l'ai déjà dit et je l'aurais dit. Si vous avez le choix et que vous pouvez vous payer ce jeu, n'hésitez pas, faites-le. Franchement, faites-le. Il vaut la peine d'être vu. Alors, je vais me faire ceci. Parce que je vais avoir besoin de... Mais je vais avoir besoin tout simplement de... De cloth. De... Enfin de voilà quoi. De vêtements, voilà. C'est ça que j'arrivais plus à trouver le mot. Donc il m'en faut 6 normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà. Et normalement on est bon. Voilà. Donc je vais me faire 2. Voilà. Et ce qui va me permettre, vous l'aurez peut-être compris, ou pas, sera de faire les sacs de sable. Qui sont là, voilà. Donc il y en a 4. Je vais directement les mettre aux endroits stratégiques. Bon, j'arrive pas parce que je suis mal tourné. Voilà. Donc ça, je mets là.
Je peux pas? Comment ça, je peux pas? C'est pas grave, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Et celui-là aussi. Oh, fait chier. Voilà. Donc on était plus ou moins par ici. Donc je vais reprendre ceci. Alors je vais mettre en place ça ici. Voilà. Et je pense que c'est tout. Donc je vais prendre une boulette de viande. Voilà. Alors, en sachant pourquoi j'ai fait ça, tout simplement parce que normalement, si je dis pas de bêtises, si on... Ah merde! Ah, ça marche plus comme avant. Tant pis. Eh ben, je pense que ma base sera inondée de ce côté-ci. Allez, j'y vais. Parce que là, je pense qu'on a duré trop longtemps dans la base. Et tout comme vous, j'ai envie d'explorer le monde. Oui. Sauf que, j'oublie encore quelque chose que j'avais dit que j'allais prendre. Donc je vais directement le faire. Alors il doit être là quelque part. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Donc ça, on va le remettre en place soit ici. Ouais, bon, ça ira très bien. Et oui, j'ai vu que la nuit tombait. Mais ce n'est pas un souci. J'ai mon petit casque qui me permet de bien résister. Voilà, donc ça je prends. Alors le casque de mineur a l'air de marcher comme le casque de comment ça s'appelle encore? Je vais trouver. Comme le casque de cochon, le football helmet. Donc ici, voilà. J'ai besoin de me faire une couronne de fleurs pour les périodes de pluie. Voilà, enfin non, pour remonter ma santé mentale tout simplement. Non, allez hop, on y va. J'ai attendu trop longtemps, il est temps d'y aller. Allez! Alors c'est par là quelque part. Si j'y arrive, voilà, j'y arrive. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Un petit repère kit. Voilà. Alors j'ai ça qui peut m'aider. On sait jamais, au cas où. Ça, je prends. Ça, je prends. Voilà. Donc je prends ça aussi. Et je pense que je peux manger mes caramel fournier roll. Voilà. Alors, donc, nous allons continuer notre route. On va revenir là-bas. Donc là, je vais prendre mon football helmet qui va me permettre de rester au sec. Oula! Allez! Désolé. Bon, les vagues me permettent de bien avoir le... De bien prendre la vitesse, mais c'est vraiment pas le vaisseau le plus rapide. Le vaisseau le plus rapide, je pense que c'est le premier. Et l'autre est pas mal non plus dans son genre. Il est plus résistant et c'est déjà une bonne chose. Alors on va prendre ça aussi. Alors on prend ceci. Et ceci aussi. Voilà. Alors, hop, on va passer par là. Donc, la pluie, on se croirait en Belgique, sauf qu'elle est peut-être un peu plus forte que chez moi. Donc, je récolte toutes les algues possibles parce que j'aimerais bien pouvoir les utiliser après. Alors franchement, on va passer un peu par là. On va faire un tout petit détour. C'est juste pour voir un peu ce qu'il y a. Voilà. En avoir deux, c'est pas mal. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que le jeu ralentit un petit peu. Je sais pas si c'est moi. Ou si vous aussi vous avez l'impression que ça ralentit.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai vraiment. Si vous aussi vous trouvez que c'est un peu lent. Il faudrait un jour que je me fasse une canne à pêche, je pense que ça pourrait être rentable quand même au niveau des poissons. Et ici il y a vraiment, mais vraiment plein de poissons, plein de poissons chiens. Plein de shoals, comment ils appellent ça, je sais pas exactement ça veut dire quoi. Là on se croirait le soir, mais en fait on est la journée. On est clairement la journée. Hop, on va tester. Voilà. Ça me remet un peu de santé mentale, pas beaucoup. Mais on va garder le football helmet parce que ça me permet aussi de... Ça me permet aussi pas mal de petits trucs. Alors, je vais donner l'une de mes... Voilà. Voilà. Waouh, c'est la richesse. Là, celui-là. Ça, on prend. Ah, voilà. Ça, c'est le problème de cette saison. Le plus gros problème de cette saison, c'est ça. Alors, j'ai pas fait de truc. Alors, on va directement. Voilà. C'était pas ça que je cherchais, mais c'est pas grave. Oui. Donc, ça je prends. Ça pourrait être utile. Alors, où est-ce qu'il est ? Parce que du coup, c'est bien beau de prendre toutes tes affaires et tout et tout. Mais il faut au moins en garder quelques-unes à l'intérieur. Donc je vais remettre ceci parce que sinon on va avoir des problèmes. Voilà. Donc, l'un des gros problèmes de la saison, vous avez compris, c'est tout simplement les moustiques qui vont tout simplement m'ennuyer pendant cette période. Alors voilà, ça on prend. Ça, on va le mettre là. Ça, bon, on va le planter tout simplement. Alors, je regarde. J'essaie de voir si on peut pas avoir la couronne de Wilbur. Si j'arrive à la trouver, ce serait génial. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Bon, après, c'est pas trop grave, hein, j'ai envie de dire. Au pire, si jamais on la trouve pas maintenant et tout, j'essaierai de la voir par moi-même en off. C'est toujours une possibilité. Ah, bon. Alors, bonne nouvelle, c'est que il a arrêté de pleuvoir. Faut savoir que la pluie fait un boucan monstre dans mes oreilles, donc si jamais je hausse un peu le ton, c'est normal. Voilà. Donc, toi là. Hé, hey, il veut pas m'attaquer. Il voulait pas m'attaquer, ok. Alors. Normalement, il paraît que la saison était un peu nerf, mais j'ai pas l'impression. Parce que j'ai l'impression que même que les flaques sont plus grosses rapidement. Ou peut-être que j'ai eu la chance la dernière fois que je suis allé en truc. Alors déjà je vais mettre ceci avec et je vais mettre... où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Que je puisse au moins aller dans la pluie sans problème. Voilà. Donc je vais me faire un petit feu quelque part, pas très loin. Ici, voilà. On va se faire le feu ici. Ça ira très bien pour ce que je veux en faire. Oh, mais allez, s'il vous plaît. Ah ouais, là, ça va être vraiment agaçant. Hein. On va peut-être se faire aussi, c'est une lance. Quitte à faire, autant avoir de quoi attaquer. Alors, limite ça, je m'en fous. Je m'en bats les couilles, j'ai envie de dire. Alors, où est-ce qu'elles sont où est-ce qu'ils sont, ces moustiques? Je sais pas. On va rester là, tout dans le coin. Et regardez-les. Voilà. Donc, je vais mettre ceci. Et je vais mettre ceci aussi. Je reste avec mon truc tel qu'il est. Alors, il doit en avoir... Ah, là voilà. Ici.
Alors, on va bien recharger. Voilà, encore. Et ça fait du bien d'avoir le chapeau de mineur qui est remis à top, au top. De cette façon-là, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, je vais faire ceci. Il va falloir absolument que je trouve moyen de me refaire un parapluie. Parce que il est à 20, 32% et ça va très vite dégénérer. Alors, les moustiques, je m'en moque. Je vais continuer ma route. Je mange une boulette de viande, voilà. Et on va continuer notre route et on va tout simplement aller dans ces zones-ci chercher les autres trésors. Ce serait assez intéressant de les avoir pour la prochaine fois. Alors, par contre. Par contre, je n'aime pas. Ah, d'accord, on est tout près de la côte, c'est pour ça. Et le jour va se lever, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons nous laisser là. Je vous dis donc à la prochaine et à bientôt. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire le petit pouce bleu de l'amour, l'abonnement de l'amour et le commentaire de l'amour. Ça fait toujours plaisir pour celui qui fait la vidéo. Attendez un petit moment, je mets ceci. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine. Bye!